Si j'avais su que j'allais revenir un jour ici, qu'est-ce que tu me réserves encore, Vito Mancini? Tu es mort et enterré à présent, alors pourquoi cette ultime tragédie? Finalement, c'est ça qui m'a toujours excité dans notre relation, ce mystère dans tes lettres d'invitation, ces rendez-vous en pleine nuit. Me marier. Tu adorais me surprendre, m'épouvanter. Allons, Vito, tu es mort. Donc si ce n'est toi, qui est à l'origine de cette mystérieuse invitation? Au décès de Maître Mancini. Merci, Walter. Mais je ne comprends pas le pourquoi de ce rendez-vous. Je pensais que tout est... Madame Larose vous expliquera. Elle vous racontera tout ce que vous devez savoir. Madame Larose. Veuillez m'attendre ici, madame. Si madame veut bien me suivre, elle va vous recevoir. Madame Larose, Miss Alcombe. Madame Alcombe, ravie de vous rencontrer. J'espère que vous avez fait bon voyage, là, malgré l'orage qui gronde. Mais je me présente, Maître Larose, notaire, chargé d'exécuter les dernières volontés de feu. Votre ex-époux, dont Vittorio Mancini. Ses dernières volontés, vous dites? Comme celle de m'inviter à son enterrement, par exemple. Vous pouvez disposer, Walter. Mesdames. Oui, alors Vito... Enfin, Don Mancini souhaitait quelque chose de sobre par rapport à son enterrement. Bien sûr, quelque chose de sobre à son image. Il s'agit d'héritages, là, Madame Alcombe. Et de très gros héritages, même. Et je ne vous cache pas que vous figurez en bonne place dans ces projets. Vous n'êtes pas sans ignorer que je ne suis pas la dernière épouse. Et vous savez aussi bien que moi que légalement, seule la dernière... Non, Madame Alcombe, ne parlez pas si fort, on ne sait jamais qui pourrait nous entendre. Oui, alors ça, c'est la loi, hein, la procédure officielle.
Mais Don Mancini est au-dessus de cette voie. Alors j'ai en ma possession un premier testament qu'il m'avait fait parvenir il y a quelque temps. Et la veille de sa mort, j'ai reçu un codicille à ce testament dans lequel vous figurez, Madame Alcombe. Et c'est la raison de votre venue ici ce soir. Voulez-vous boire quelque chose, scotch, vodka, ginger ale? Mais asseyez-vous, Madame Alcombe. De toute façon, nous ne pouvons pas commencer avant l'heure convenue. L'heure convenue? Katharina, veuillez servir à madame un... scotch. Alors un scotch à madame Alcombe. Ah, non. Deux scotch. Bien, madame. Vous avez connu Walter? Dont le Mancini l'appréciait beaucoup. C'est un peu comme le fils qu'il n'a jamais eu. Eh bien, Katharina est arrivée un petit peu après lui au domaine. Madame Larose. Madame Carnet vient d'arriver. Elle est, comment dire, un petit peu angoissée, elle n'ose pas monter. Mais accompagnez-la, Walter. Bien, madame. Et dites-lui que tout va bien se passer. Oui, madame. Dites, je suppose que c'est une plaisanterie. Et je suppose que nous aurons quatre enveloppes sur la table. Oh! Regardez-moi quand je vous parle. Chut. J'ai cru comprendre que Madame Cartney avait quelques petits soucis de santé. Que ça tournait toujours pas très rond dans sa tête. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous savez ce qu'elle a voulu faire. Elle est sur le testament, Madame Alcombe, tout comme vous. Et elle a des droits, tout comme vous. Madame Larose, voici Miss Cartney. D'où Jésus? Que fait-elle ici? Et vous? Qui êtes-vous? Merci, Walter. J'allais justement me présenter. Maître Larose, notaire de Don Mancini. Et je vous ai personnellement convoqué ici ce soir afin de vous parler de vos droits concernant son héritage. Son héritage? L'héritage de mon Vito? Vous pensez, madame la fleur, que je n'ai même pas été invitée à son enterrement, mon pauvre Vito? Rappeler à Dieu sans la présence de la femme de sa vie? Bon, maintenant ça suffit! Oh, vous, pécheresse! Comment osez-vous prétendre au bien de mon époux, vous qui le haïssiez? Ce sont vos frasques avec vos amants. C'est ça qui l'a tué. Hop. Allez, venez vous asseoir. Hein? Hop, attention. Allez, est-ce que vous voulez un verre? Hein? Katharina? Ouais, ça va me faire du bien. Ça a l'air de vous amuser, Madame Larose. Alors, vous savez, Madame Alcombe, moi je suis que l'exécutrice testamentaire de Don Mancini. Ne voyez rien d'autre en moi que la simple représentante des droits de feu votre regretté époux et de feu son regretté époux. Bien sûr, vous êtes dans cette affaire d'une intégrité irréprochable, je présume. Mais exactement. Dans ces cas-là, vous n'êtes pas sans ignorer, si on suit la logique de cette soirée, la nature de nos, de vos deux prochaines visites. Ah.
Je suis préparée à ce moment depuis longtemps, hein, depuis que tu m'as abandonnée à l'aéroport. Enfin, madame, je n'ai rien oublié. Calmez-vous, madame. Les rendez-vous manqués, les traces de rouge à lèvres sur tes chemises, les anniversaires négligés, les cadeaux après pour se faire pardonner, hein. Mais, mes meilleurs amis, piétinés, ma réputation de faire zeste d'assiette, abîmée pour toujours, sans compter. C'est ride, cette expression de défaite et de rage sur mon joli visage. Mais t'inquiète pas. Ce soir, tu vas me faire les plus beaux cadeaux. Tu vas tout me régler. Bastardo! Fianculo, lèvate di coglione, citrullo! Bastardo! Mais c'est un piège. Vous venez de me faire tomber dans un piège. Madame Parzetti, soyez la bienvenue. Maître Larose, notaire de Don Mancini. Et calmez-vous, hein, de là où il est. Il ne peut pas vous entendre. Non, ici. Vous pouvez y aller, Walter. Oh, et faites quelque chose pour les mouches, parce qu'il y a assez d'opportunistes ici ce soir. Oui, madame. Est-ce que vous voulez un verre? Mais non, pas question. Bah, si. Jésus-Marie-Joseph. La comédia dell'arte. Bon, maintenant que le grand guignol est passé, est-ce qu'on va pouvoir passer aux choses sérieuses? Ou faut-il forcément attendre la quatrième? Mais quelle quatrième? Oh, bravo. Alors là, je vois qu'elle l'ignorait. Et vu sa tête, elle aussi. Ma, débrouillez-vous avec ça, Madame Larose. Elle l'ignorait. Mais qu'est-ce que j'ignorais? Mais j'allais y venir, Madame Percetti. En fait, Don Mancini s'est remarié après votre divorce. Bastardo! Pas bien. Bastardo, sans doute. Vous avez raison. Mais ça pose un léger problème. Cela vous écarte directement de la succession. Mais comment vite a pu me faire ça? À moi, Giulia, Anna Carmen Ferzetti da Siena. Et qui est cette garce avec laquelle il a oré convolé à nouveau? Elle s'appelle Gabrielle Thornton. Mamma mia, encore une Anglaise comme vous. Et vous? Non, elle est écossaise. Ouais, c'est pareil. Où est-ce qu'elle est, cette idiote? Mais elle va arriver, Madame Fertitti. Ah oui, oui, normalement. Si elle peut arriver jusqu'à nous. Oh, Walter, merci pour les mouches. De rien, madame. Mesdames, Walter m'annonce que Madame Thornton vient d'arriver. Oui, alors, je vous prierai de ne pas critiquer son état, hein, mais plutôt de vous rappeler qu'elle est la dernière épouse de Don Mancini, et de ce fait, la principale héritière de toute sa fortune et de ses biens. Qu'est-ce qu'il y a des tétards, hein? Toi, tu dégages. Mais quel beau tableau de chasse! Quelle belle brochette d'hypocrite et de voleuse! Madame Thornton, bonsoir. Je suis Maître Larose, notaire mandaté par Don Mancini, pour vous dicter ses dernières volontés. Stop là, la bourgeoise. Quelle est ici chez moi? Les dernières volontés de Vito, c'était bien de dégager là, ces trois salopes de sous mon de ma maison. C'est clair? Mais là, suffit maintenant. Mais comment vous voulez qu'on l'envoie? Toi, la Rital, ta gueule. Et... c'est moi qui parle maintenant, c'est moi. Avec une alcoolique pareille. Oh mon Dieu. Je ne voudrais pas que ça pue la merde. Celle qui décrochera le rouleau. Encore un petit tour et attraper le pompon. Et vous, Madame Alcombe? La pute de luxe, le trou de service. Si vous aviez hérité de tous vos amants morts dans des conditions suspectes, vous ne seriez sans doute pas là ce soir. Ferme-la, espèce d'ivrogne.
Je ne comprends même pas comment Vito ait pu finir ce jour avec toi. Vous ne comprenez pas. Mais demandez à Madame Fersetti. Mais Madame Fersetti et ses contraintes sexuelles. Oh. Et on arrête les conneries maintenant. Et on affronte la vérité en face, droit dans les yeux. Auriez-vous que dire à part un regrettable accident de parcours? Bon, Madame Santone, vous avez fini votre exposé? Ah non. Bon, bah écoutez, continuez, je vous en prie. Je voulais juste savoir pourquoi ces trois fouines n'étaient chez moi ici, là, ce soir. Je voulais juste savoir pourquoi, vous, une notaire, pourquoi cette invitation? Pourquoi ces dernières volontés? Sachant que je suis la seule héritière de ce domaine, puisque je suis l'épouse légitime, la dernière. C'est moi qui hérite de tout ici. Ouais. Bon, alors, Madame Santone, vous devriez vous asseoir parce que ce que j'ai à vous dire n'est pas si évident. Attends, assise ou debout, de toute façon, mes oreilles sont à la même place. Hein. Bon, comme vous voudrez. Donc, effectivement, il se trouve qu'au niveau de son héritage, Don Mancini avait effectué un premier testament. Un testament? Mais pourquoi un testament, sachant que je suis la seule héritière? Oui, Madame Santone, si vous pouviez arrêter de m'interrompre. Oui, mais en fait. Merci. Donc, effectivement, ce premier testament confirmait la légalité de votre succession vis-à-vis de l'ensemble de ses biens et de sa fortune. Don Mancini n'ayant pas d'enfant et donc pas d'héritier de sang. Mais, la veille de sa mort, j'ai reçu un codicille à ce testament. Voilà. Dans lequel vous figurez toutes les quatre. Quand même. Je vous avais dit de vous asseoir, Madame Santone. Bon, puisque maintenant vous êtes toutes présentes, nous allons pouvoir commencer la lecture du testament de Don Mancini. Procédons. Après un petit rafraîchissement. Bon, mesdames, si vous le voulez bien, passons à des choses plus intéressantes. Oui, c'est ça, fait. Donc, si vous êtes toutes réunies ce soir dans cette demeure que vous avez toutes connue à différentes époques de votre vie... C'est chez moi. Non, c'est chez moi. C'est pour écouter les dernières volontés de votre ex-époux, Don Vittorio Mancini. Leur ex-époux. Vito. Madame Santone, si vous pouviez arrêter de m'interrompre à tout bout de champ. Si tu peux aller plus vite aussi, la notaire, ça m'arrange. Merci. Donc, notre absence aux obsèques de Don Mancini n'aura échappé à aucune d'entre vous. Hein. Et j'ai bien vu votre surprise lorsque vous êtes arrivée ici. Mais c'était la volonté de Don Mancini de n'inviter ni son épouse actuelle, ni ses ex-épouses à son enterrement. Oui. Volonté que j'ai scrupuleusement respectée en n'envoyant aucun faire-part. L'invitation de ce soir faisant office de... Accélérez un peu, parce que là, je perds mon temps. Bon. Madame Alcombe. Qu'est-ce que ça veut dire? Madame Cartney. Oh, mais... Madame Fersetti. Bah non. Et Madame Santone. Vous allez comprendre très vite. Bien. Votre silence va me permettre d'enchaîner sur la deuxième partie de la soirée. Partie de loin la plus intéressante. La plus surprenante. Ah bon? Je m'appelle bien La Rose, mais je ne suis pas notaire. Ah bah, j'en étais sûre. Oui, c'est ça. Et encore moins exécutrice testamentaire de Don Vittorio Mancini. Et ce fameux testament que vous attendez toutes avec impatience, ce n'est pas moi qui vais vous le lire, mais Vito lui-même. Ma, quel bouffon là. Tu es là. Je suis sûre qu'il est là. Car comme je vous le disais, je ne suis pas notaire.
mais médium extra-lucide. Et c'est Vito lui-même qui est ici, entre les murs de sa demeure, qui va vous énoncer ses dernières volontés post-mortem. Bon, j'espère que vous avez des explications plus intelligentes, plus rationnelles à nous fournir, parce que cette soirée n'est qu'une mascarade. Et là, Madame Larose, vous êtes en train d'abattre vos dernières cartes. Madame Larose ou qui que vous soyez. Stop, stop! Qu'est-ce que c'est là? Elle a raison. Vito est ici. Bah oui! Je le sens en moi. Il nous écoute. Et il veut nous parler. Ah, enfin! Tu sens toi là maintenant? Oui. Pour Vito, ce que t'as. Ça va dû être facile la vie tous les jours avec cette femme. Moi, je l'attendais ici. Bon! Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce qu'au moins il y a un héritage? Bah, il y a un héritage. Cette soirée n'est qu'une supercherie. Non. Une mise en scène? Mais non. Il y a un héritage, ça, c'est sûr. Toute la fortuna de Vito, elle est ici. Cachée, quelque part. N'est-ce pas? Passe entre scène. Alors, ce n'est ni une supercherie, ni une mise en scène, Madame Malcombe. Vous allez comprendre. Ah bah oui, on en comprend. Très bien. Oh. Vittorio Mancini, est-ce que tu es là ce soir? Don Vittorio Mancini, es-tu avec nous ce soir dans ta demeure? Redi in mundo vivit. Me voilà revenu dans le monde des vivants, des viventi. Ah, mais que je vois dans cette pièce ici? Cosa vedo? Ma femme et mes trois ex-femmes ici? Hein? Ma come suis content de les voir tous les quatre ici, toutes quattro! Ma che bella soddisfazione! Ah, di vedervi tutte quattro! Sei tu Eleonora? Eleonora? Oh, cara mia, che bella sorpresa! Ah, je te vois, t'as envie de me parler, mais d'abord, essuie ce che t'as au bout de tes lèvres. Eccoci! Ah! Patrizia, toujours aussi pieuse et pure, toujours en train de tripoter ton crucifix pour avoir l'air de prier. Ah, eccoci qua. Oh, mia cara Giulia, ma chère Giulia, come tu m'as manqué, mi sei mancata, te lo giuro. Ah, la vie sans toi était heureuse et véritable. Remercie tous tes amis siciliens, siciliani, pour tout ce qu'elles t'ont offert. Et toi, mia cara Gabriella, tu as épousé un vice. Non, pas moi. Mais regarde le fond de ta bouteille. Guarda il fondo della tua bottiglia. D'abord toi, Eleonore. La pire des épouses et la plus heureuse des maîtresses. Toi, tu n'auras pas un seul centime, un solo centesimo de ma fortune. Que ma haine profonde, tu mourras de ta luxure. Honte à toi. Regarde en face de toi, cette chère Patrizia. Elle ne t'a jamais dit qu'on s'est voyé quand on était encore mariés. Moi, je me suis permis des cochonneries avec cette idiote. Comme j'aurais pu avoir un fils avec toi. Avoir un bambino. Toi, non plus, tu n'auras rien de mon argent. Tu me coûtes trop cher en pension. Toi, Giulia, le vinaigre de ma vie, l'aceto della mia vita. Tu te rappelles tes lasagnes dures, dégueulasses. Toi, en plus,
C'è ta faute che mi ha fatto grossire. Sono diventato un uomo grosso. E in più, tu mi ha fatto venire l'ulcera, l'ulcera, l'ulcera. Ah, toi aussi, Giulia. Non avrai più niente. Tu m'as coûté trop cher. En plus, t'auras rien du tout. Zéro centesimi, zéro centesimi. Mia cara Giulia. Ma chère Gabrielle, Gabrielle, toi, t'as toujours deux. Toujours deux bouteilles sur toi. Fais-toi plaisir. Regarde pas toutes ces femmes qui sont autour de toi, hypocrites. Fatti piacere, dai, lasciati andare. Dai, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Toi aussi, tu me coûtes trop cher. Alors, moi, Vito Mancini, j'ai décidé de rien te laisser. Rien! Ni à toi, ni à personne. Capito? Aucune de vous n'était capable de me donner un fils, un figlio. Je n'ai donc aucune descendance légitime. C'est pourquoi j'ai fait de Walter l'unique héritier des biens et de la fortune Mancini. Walter, que j'ai recueilli enfant et que j'ai adopté dans mon cœur, nel mio cuore. Et tous les papiers ont été déjà déposés chez un véritable notaire, un notaio vero. La machine est en marche. Et plus rien ne pourra l'arrêter. Alors, bonne nuit à toutes, honteuse épouse. Buonanotte à tous. Vous saviez tout cela avant de nous faire venir. Alors pourquoi ? La ferme, sale putain ! C'est vous qui l'avez anéantie avec vos mœurs de débauche, tous vos fils et cette folie orgiaque. Le cœur de Vito n'a pas supporté. Oh, étonnant d'entendre ça de la part de la salope qui s'envoyait en l'air alors que nous étions encore mariés ! Vous n'êtes qu'une... Oh, qu'est-ce que vous alliez croire, hein ? Que j'allais finir ma vie avec ce gros tas impotent, incapable de bander ? Vous êtes naïve, et en venant ici, vous êtes toutes venues chercher la même chose, le fric de cette big man. Arrêtez ! C'est pas fini ! Et vous oubliez tous être la préférée, c'est ça, hein ? Tous, la bonne épouse ! Assez ! Vous avez toutes tué mon Vito, vous êtes toutes responsables de sa mort, et vous osez parler de son argent ! Toi, tu l'as tué car incapable d'aimer. Et toi, sa première épouse, tu as fait sortir de lui tout ce qu'il y a de plus mauvais dans ses viseurs. Ah oui ? Bah oui. Et moi, quand j'ai connu les belles hommes, hein ? C'est toi avec ta cuisine immonde qu'il a fait devenir obèse et mauvais. Tu lui as fait ramollir le sexe et il est devenu une grosse pasta à la con. Ah non, mais attends, j'hallucine. Qu'est-ce que je vois là? Oh, mais Vito, quel cadeau! C'est ta carte.
Oui, ça y est, ma chérie. On a réussi. Toi, il va réussir. Moi, Vito Mancini. Tu sais Vito Mancini? Vito Mancini. Hein? Alors, écoute, en plus, on s'est débarrassé de ces quatre sorcières, tu sais. Les quatre sorcières, on s'est débarrassé d'eux. Quand ça enfin, on pourra vendre la maison, tout ça. Et tu sais, on va partir au soleil. On va être riche, ricchi. Stop. Redescends, là. Qu'est-ce que ça se passe, chérie? Il y a quelque chose qui ne va pas? Pourtant, tout le plan était bien établi. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est là. Oui, mon mari, mon régime est là. Moi, en plus, cette soirée-ci, je me suis bien amusé, en plus, tu sais, avec le micro, faire le fantôme, il fantasme. Tu te rends compte? Je suis heureux. Ma Maria. Oui, t'oublies rien, imbécile. Quoi, j'oublie rien? Pemberton. Et c'est quoi, Pemberton, excuse? Ton vrai testament, et c'est un vrai notaire à Pemberton. Et jusqu'à preuve du contraire, il fait de Walter ton unique héritier. Et ça, c'était la partie vraie de notre mise en scène. Alors, les faux obsèques, les faux certificats de décès passent encore, mais tant qu'il n'y a rien de déposé sur le bureau de ce con de notaire, eh ben on est coincé. Comment les conseils? Écoute-moi, chérie, on était bien allés tous les deux, on a bien fait tous les deux le testament ensemble, non? Je ne comprends pas. Mais oui, mais t'as rien déposé officiellement. Hein, et si t'avais pas fait l'abruti là, avec tes femmes là, en leur disant que Walter était ton unique héritier, et franchement, il n'y avait aucune raison de le faire, hein, maintenant, là, faut qu'on se grouille, là. Comme un grouille? Mais non, grouille, mais écoute, le temps qu'on va arriver là-bas, qu'on va arriver à Pemberton, je sais pas quand on va arriver, en plus, moi j'ai faim, hein, j'ai très faim. Non, écoute, Pemberton, c'est à 6 heures de route. Alors, le temps qu'on arrive, tout sera ouvert là-bas. Et puis franchement, je sais pas laquelle de tes femmes a dit que t'avais grossi, mais elle avait pas tort, hein, parce qu'il y a du monde là-dedans. Mais écoute, c'est ce que ça va faire maintenant. Écoute, Gruita, dépêche-toi, on y va, va, andiamo a Pemberton alors. Vai, on y va. Hop, les lunettes. Vite, on passe par la cave. Allez, hop, on descend. Non, écoute, non. Oui, calme-toi. C'est mon testament, Dieu! Il teste ma main! Eh ben, il est là, ton testament! Allez, alors, monsieur l'héritier de Don Vittorio Mancini? Mais au fait, tu étais au courant? Évidemment.